visiter, c'est une onglerie qui est située dans le 1er arrondissement à Marseille. Donc c'est une activité que j'ai créée en 2014, donc aujourd'hui elle a 5 ans. C'est exclusivement de l'onglerie, c'est une activité qui marche pas mal. Je commence à être reconnue dans mon métier à Marseille. J'ai fait une formation dans un premier temps d'esthétique, dans une école d'esthétique. Et puis j'ai compris que c'est pas de l'esthétique pure que je voulais faire, exclusivement de l'onglerie. Donc j'ai fait des formations d'onglerie qui vous apprennent tous les secrets de ce métier-là. Je vends aussi des bijoux, c'est une prestation complémentaire. Et je fais aussi l'extension de cils que je ne pratique pas actuellement, mais qui sera développée dans les prochains mois. J'ai grandi dans le 3e arrondissement, au Parc Bellevue, à Félix Piat. J'ai passé un bac pro commerce, centré sur le service relation client. Et puis un jour, j'ai décidé de rentrer dans la vie active, donc j'ai travaillé pour Orange Canal+, enfin, chez un sous-traitant. Et un jour, j'ai dit non. Je veux faire vraiment ce qui me passionne et ce qui me fait rêver. J'avais envie d'avoir une relation professionnelle-client, mais en direct, sans passer par une hiérarchie. Donc c'est à ce moment-là où j'ai décidé de créer ma boîte. Dans un premier temps, j'ai démissionné. J'ai décidé de tout plaquer, voilà, pour me concentrer sur le point de la formation, parce que c'était le point de départ. Je me suis renseignée auprès des organismes, donc le Pôle emploi, la mission locale. Et par la suite, ça a été recherche de financement. Donc, à qui demander? Ça n'a pas été facile, mais finalement, quand on a les bonnes informations, on sait vers qui se tourner. Et moi, c'est l'ADI qui m'a aidée. Ça a été plutôt enrichissant de rencontrer des personnes qui vous aident, et pas que financièrement, parce que on vous donne un peu le chemin à prendre, qui contacter, comment faire. Donc il y a plein d'interrogations qu'on se pose à 23 ans quand on crée sa boîte, et on n'a pas forcément toutes les réponses, et on s'en pose tous les jours parce que clairement on sait qu'on prend un gros risque. Voilà, on saute dans le vide, et c'était un peu mon parachute.